Bienvenue tout le monde, nos PAM, c'est Valerio Saint-Louis. Je vous dis à VOA Creole pour une émission spéciale pour vous. Un programme spécial dans l'occasion 1er janvier 2024 qui ramenait anniversaire, 220e anniversaire indépendance pays d'Haïti. C'est comme ça que je vais rejoindre toute staff, toute équipe VOA Creole pour souhaiter tout Haïtien, Haïtien à la Wanbade à travers le monde et surtout Haïtien en Haïti, une bonne fête de l'indépendance et n'a tout profité souhaiter tout. Une joyeuse année, une bonne année 2024. Et puis tradition, sous jour moi, sous indépendance, nous Kembeli, je suis certain que depuis matin, il y a pile dans nous qui déjà commencé manger sous jour moi. Tradition, nous même tout dans le studio VOA Creole, n'a Kembeli tradition. Une émission spéciale qui s'engage pour journée aujourd'hui, une émission spéciale ça. Et bien, la fois qu'on est que actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde là, t'es tout maté en pile, sorti dans conflit armé, coup d'État, turbulence politique et sociale. Dans le pays d'Haïti, à cause crise politique là, c'est phénomène insécurité là qui pas suspendre si mais terrain en mitan population civile là. Cependant, un mouvement populaire était déclenché côté que peuple souverain était lynché, déchouqué, boulé et voyé wash canon et wash sous monde qui représenté comme gang au soir proche gang. Nous songez, n'a pas rappelé de mouvement ça qui relait bois calé. Un mouvement qui retenu attention collaborateur nous Jacqueline Bélizière qui a présenté nous un documentaire sous mouvement ça que peuple a relé bois calé. Yon nan expression qui était plus populaire dans l'actualité en Haïti dans mi-temps année 2023 et qui lié avec phénomène insécurité assez bois calé. Et en pile monde présenté le tankou yon mouvement populaire ou encore yon tête collée sans attendre, sans organisation, entre la police et peuple souverain pour dénicher moun qui fait partie gang armé. C'est dans finissement année 2019 là dans cadre ça relé pays lok pays fermé qui c'était une forme résistance avec protestation sous forme manifestation violent contre pouvoir en place là contre administration défunt président Jovenel Moïse que nous t'apprend le temps d'expression bois calé qui fait référence à partie génitale garçon mais dans date 24 avril 2023 pendant pays a vive l'intérêt gang armé qui a fait et défait violer femmes kidnapper torturer et touyer moun oui c'est un moment terrible et malouk ça peuple souverain dans Debussy zone canapé vert tout près capitale là lancé tout à coup yon offensive côté yon boule tout vivant 14 moun yon présenté comme membre gang armé et c'est là tout mouvement bois calé a parti. Mouvement bois calé a t'apprend créer gros sensation dans capitale là côté le prend naissance là et gayé dans quelques autres villes province. D'après un rapport CAD qui se centre analyse et recherche dans droit monde, t'est publié dans mois mai, et ben yo dit depuis naissance mouvement ça, gayé 160 moun que yo lynché ou bien boulé tout vivant, 134 dans l'ouest, 5 dans plateau central, 9 dans la Tibonite, youn dans sud et 9 dans Grand'Anse. Mouvement bois calé a te chita plus dans zone métropolitaine dans Port-au-Prince bien que tendance là te gen tan gaé dans quelques villes province. Gouvernement pas de jambe prend position sur phénomène là. Faut que nous tente juste 1er mai côté Premier ministre Ariel Henry qui considérait mouvement tant qu'on jouet bossal, mandé population pour veatif et li conseiller pour remettre bay la police tout membre gang yo ta kembé. M'a demandé compatriote moi yo malgré ça yo subi nan men bandi. Priorité tête frette. Moi comprendre colère yo. Moi comprendre yo ta remen fini ak zafè sécurité a ça tout de suite. C'est pour ça m'a demandé tout moun continuer collaborer ak la police, continuer accompagner la police, continuer bay la police information sur tout moun ki suspect dans zone la caillou. La police ak peuple la a maré tout bandi et à promettre bay la justice. Société pas cap vivre ainsi. J'éclairer bois calé. Monsieur Ougan, vous prenez responsabilité nous. Faites diable manger nèg-yo, nous connaît. Moi en tant que Ougan Sogré, m'dit nous mandé nous. Faites diable manger nèg-yo. Mouvement bois calé a te gayé tout dans diaspora haïtienne nan côté réaction yo département bien que approbation piro que côté négatif là et yo dit tout que c'est insécurité qui empêche yo retourner la caillou pour y aller faire vacances. M'imagine moi-même si m'ta descend Haïti mal mon famille que yo kidnappé m pour y a violer m 50 jeunes garçons passé sous moi moun ça c'est pas sentence ça seulement le mérité pire encore. Moi-même, je n'ai pas fait effet sur moi. Moi-même, je bat bravo à 100% pour bois calé.
Mouvement Boakale a divisé société haïtienne, surtout gen moun ki di ke gen innocent ka paye pou coupable, gen l'autre moun ki di encore le fait que moun nan gen tatou ou bien moun nan dread yo associé yo ak gang armé. Nous avons des gens pile innocent qui passaient parmi la foule. Mais si moun ki appelé pour diriger pays ya, avec moun ka dirige pays ya, yo t'a accepté pour nous chita ensemble pour nous une solution pour nous résoudre crise qui est en dans pays là le constat population c'est pas lik t'a bay tête de justice. Pour quelques spécialistes dans le droit, quelques avocats, le phénomène Boakalea qui est une justice populaire existait parce que le système justice là est plate à terre. C'est résultat impuissance autorité. Le gouvernement n'a pas réglé rien pour lui qui n'a pas articulé aucun discours contre Bandiyo, qui n'a pas mené aucune politique pour le mettre, pour le faire face à Bandiyo. C'est seulement ces derniers jours ou est que bon activité qui a fait pour bloquer village de Dieu. Donc, tout phénomène ça yo fait que population, ouais, c'est lui qui pouvait école, c'est lui qui pour mettre et camper face à bandit. En pile l'autre observateur croit, dans une société de droit, moun pata de fait tête yon justice. Cependant, Rodney Joseph, yon ancien militaire américain d'origine haïtienne, li souteni sans garde derrière mouvement Boakalea, li parle avec nous depuis Floride. Moi-même, je supporte Boakalea ça, dans toute forme ni dans toute fabrique linette. C'est seul moyen pour peuple haïtien retirer corps dans sensi qui interposé pour diriger yon, pour détruire avenir tout yon peuple. C'est celle ça peuple a gagné qu'on est à la bougelle parce que les lion pas jamais attaqué un groupe moun lion tonne les que ou faible les que ou pour tête c'est ça cause bandio tout autant nous mettez bandio à la défensive c'est peuple a dormi à l'aise qu'on est à la bougelle pas supposé être dans bandi dans petit bandi ça pas seulement. Nous connaît côté toute chabra kyoyé politicien yo bougelle a supposé commencer saisir sous machine l'État. Parce que si que peuple n'a pas en sécurité, nous pas qu'on l'État qui est en sécurité. Yon homme politique, yon homme d'État, yon ancien premier ministre, lui-même, en parlant de Joseph Jout, qui trouvait la catégorie moun, qui pas gagné une position catégorique sous phénomène, pote yon note modération. Au fait, et l'on nous pays, justice là à genoux, leadership à terre, famille démissionnée, l'église démissionnée, l'école pas existé dans le pays, ou pas qu'il y ait l'autre résultat que ça. Là. Et moi-même, je pensais que malheureusement, Jean Population à Pagia est rentré dans légitime défense. Et là maintenant, bon, je n'ai pas gagné une réaction mitigée. Est-ce que je dois encourager? Est-ce que je dois parler contre lui? Mais en homme d'État, il faut qu'on fasse la part des choses. La population est livrée à lui-même. Donc là maintenant, il y a des façons qu'elle réagit. Si le gouvernement qui l'a renforcé la sécurité, mettons l'autre leadership, et mettant en exergue l'autre leadership, je pense que la population n'a pas besoin de réagir comme ça. Mais je pense tout, il faut que le gouvernement faut lever pied pour le bail. Plus résultat pour empêcher que ces populations qui sont obligées à être les justice. Mouvement Boakalea prend naissance dans mi-temps une crise qui a plusieurs dimensions dans le pays d'Haïti, sociale, politique, économique, et qui développait avec une crise sécurité qui retenu attention communauté internationale là, sorti dans CARICOM en passant par OEA pour arriver dans les Nations Unies. Pour un pile institution parmi yo PNH là, mouvement Boakalea a bail résultat côté taux kidnapping nan diminué. Pour documenter ça sous phénomène Boakalea dans le pays d'Haïti, moi c'est Jacqueline Belizère, avec assistance technique Gentil Augustin Junior, Fred Kaimit, supervision Sandra Lemaire. Documentaire sous phénomène Boakalea, c'est en production VOA Creole.